Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Eh bien, écoutez, comme promis, je vous retrouve pour faire quelques petits tirages avec l'oracle du soleil, voir comment il répond et surtout essayer de mettre en pratique les techniques de tirage proposées par le livre donc, qui est inclus dans l'oracle, dans le coffret. Donc, comme je vous l'ai expliqué lors de ma vidéo précédente, donc la review de l'oracle du soleil, ce jeu est inspiré, et je dirais très très inspiré de l'astrologie, de sa manière de fonctionner et les tirages également. Alors, je vais commencer par faire un petit tirage pour vous montrer comment ça fonctionne, le tirage horaire. Donc, le tirage horaire fait bien sûr référence à l'astrologie horaire, c'est-à-dire que, eh bien, on pose une question, on dresse le thème pour le moment de la question, et en fonction, bien sûr, bah, de la question, on va étudier certaines maisons, etc. Voilà, donc il fait vraiment référence au tirage horaire comme son nom l'indique. Donc si vous voulez avoir plus d'informations d'ailleurs en ce qui concerne l'astrologie horaire, vous trouverez plusieurs vidéos sur ma chaîne qui expliquent comment fonctionne cette astrologie, comment on l'utilise, pourquoi. Donc en astrologie, l'astrologie horaire nous permet de répondre à une question en se passant bien sûr de la date et de l'heure de naissance du consultant. Voilà, donc en fait, le tirage horaire n'est pas un tirage horaire à proprement parler, mais il s'inspire de cette technique astrologique. Donc on va voir un peu, je vais me laisser porter, guider par simplement le tirage, voir ce qu'il propose. Et ensuite, ben, je verrai si je fais plusieurs tirages en m'inspirant des tirages qui sont dans ce livre, voir comment on peut compléter, ou si simplement je vous ferai un seul tirage. Voilà. Donc en même temps que je vous parle, je regarde un petit peu ce qu'il y a, voilà. Donc tout ça pour vous dire que bah, comme d'habitude, lorsque je propose là cette saison-ci, quand c'est possible, un tirage avec les jeux que je vous présente pour voir voilà comment bah, par exemple comment moi je me les suis appropriés, comment on peut travailler avec. Donc j'en profite pour bien faire un tirage intemporel, c'est-à-dire qui s'adressera par synchronicité bien sûr à vous lorsque vous allez regarder la vidéo. Voilà. Donc là, je vais choisir de parler d'un thème qui concerne beaucoup, beaucoup de personnes. Je sais, c'est bien sûr le thème de l'affect, donc le thème des amours. Donc la question que je vais lancer justement va concerner eh bien l'évolution amoureuse. Pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, savoir si cette relation va durer dans le temps, si cette relation peut évoluer vers une relation de couple ou si ça sera simplement une relation, c'est rigolo, une relation passagère. Voilà, j'ai deux cartes qui viennent de sauter, je les prendrai pas pour le tirage bien sûr, mais c'est intéressant parce que nous avons la domination et l'innovation. On a quand même là-dedans quelque chose de très sexuel et des relations. Moi je vois des relations charnelles et des relations pas simples, hein, pas dans l'équilibre, mais en même temps. J'ai l'impression de voir entre la domination et l'innovation bah, des recherches sur le plan sexuel, de l'innovation sur ce plan-là. C'est vraiment ce que ça m'inspire. C'est très bizarre. Et voilà. Donc, je reprends. Donc, vous voyez, ce jeu est moi, j'aime bien parce qu'il est facile à battre. C'est le seul jeu que je ne vais pas prendre les cartes qui se retournent parce que sinon, ouais, on a encore l'innovation et la domination qui se sont retournées. Donc, il y a des choses à nous dire ce jeu. Il peut y avoir des relations de dominant-dominé dans le couple, même si c'est pas forcément
forcément que sur le plan sexuel, mais il y a quelque chose de nouveau et avec un rapport de force quand même important, si on ne le voit pas sur ce plan-là. Intuition. J'adore quand les cartes se retournent, parce qu'en général, les messages sont assez parlants. Donc, voilà. Donc, je... Elles ont beaucoup de choses à nous dire. Donc voilà, ces cartes sont faciles à mélanger parce qu'elles sont format, je dirais, cartes de poker un peu. Donc pour des petites mains, c'est très bien. Donc voilà, je reprends ma concentration. Donc je voudrais connaître un petit peu l'évolution de la rencontre qui vient de se faire entre deux personnes. Savoir si ça sera une relation simplement, je dirais, charnelle ou passagère, hein. Ou si ça sera une relation, c'est deux fois qu'elle saute, ou une relation beaucoup plus, une relation, je dirais, qui se construit dans le temps et qui sera stable dans le temps. Voilà, avec quand j'entends ça, c'est-à-dire quand une vie en commun, c'est-à-dire une vie en couple, qu'on soit marié ou pas, passé ou pas, mais une vie en couple. Donc pour cela, nous allons utiliser les 12 maisons qui correspondent à... J'ai un manap, mon tapis qui s'en va. Les 12 maisons qui correspondent aux maisons astrologiques, aux 12 maisons astrologiques. Donc, nous allons choisir 12 cartes. Voilà. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Donc, nous voici avec une carte. On va les placer un petit peu mieux pour les 12 maison astrologique. Donc je reviens après avoir fait une petite coupure pour vous présenter le jeu. Donc voici votre roue astrologique. Donc ici nous avons la maison qui va représenter le consultant, la maison 7 qui va représenter eh bien les potentialités de votre couple. S'il en effet peut évoluer les potentialités de votre relation par Pardon, s'ils peuvent évoluer vers une relation, je dirais, suivie et qui se construit. Ensuite, on regardera les autres cartes concernant le couple plus tard. Ici, vous avez la maison 10 qui va représenter tout ce qui concerne la carrière. La maison 4 qui va représenter le foyer, l'habitation. Ça, ce sont pour les angles du thème. Ensuite, nous avons toutes les autres maisons astrologiques. Donc le principe de ce tirage horaire est le suivant, c'est-à-dire qu'en fonction bien sûr de la question posée, vous allez travailler sur, vous allez tirer des cartes qui concernent les maisons du domaine qui vous préoccupent. Donc autrement dit, pour les relations sentimentales, on va déjà tirer, donc bien sûr, ça c'est la carte du consultant. C'est intéressant, on a déjà l'amitié. Ensuite, alors nous allons tirer deux autres cartes qui vont concerner donc les relations. Donc savoir déjà si cette relation, qui déjà pour le consultant se place dans l'ordre amical, c'est-à-dire que à défaut de relations, comment dire, amoureuses, vraiment, on a une notion d'amitié qui est importante pour le consultant ou la consultante. Ensuite, alors peut-être que c'est une notion d'amitié que soit qu'il éprouve, soit simplement qu'il souhaite, c'est-à-dire que peut-être que la consultante espère aussi que dans une relation amoureuse, il y ait cette notion d'amitié importante. Voilà, c'est ce que ça peut aussi signifier. Mais maintenant, nous allons voir un petit peu plus loin ce qui peut se passer. Donc nous allons retourner cette qui va correspondre à l'évolution potentielle de la relation de couple. Alors je dirais que là, dans un premier temps,
Avec l'intuition, elle peut simplement vouloir dire que la personne que le consultant a rencontré, quelqu'un qui est très intuitif, qui a quelqu'un de très intuitif, je dirais qu'il y a peut-être même des dons de médiumnité. Ce n'est pas impossible. En tout cas, c'est très rigolo parce que si vous regardez, nous avons ici donc le consultant, la consultante qui est représentée par la Lune en Cancer, et ici nous avons Mercure en Cancer. Donc c'est intéressant parce que c'est un petit peu comme si les deux personnes, donc la personne que vous avez rencontrée, être tous les deux, pas forcément du signe de Cancer, mais être tous les deux en relation avec l'élément eau. Alors que vous ayez du Cancer important dans votre thème, c'est possible, mais on a quand même quelque chose, on a, je dirais, deux personnes qui sont vraiment dans le domaine de l'émotion, des gens qui sont intuitifs, vous-même aussi d'ailleurs, la Lune en Cancer, ça peut tout à fait parler d'un consultant, d'une consultante qui a une grande empathie, je dirais, et qui a ben justement cette intuition-là que peut-être que vous recherchez sur le plan de l'amitié. Alors ensuite, nous allons voir ici au niveau de la maison 5. Donc la maison 5 va représenter, je dirais, la relation affective ou la relation telle qu'elle peut être avant la construction d'un couple qui sera représenté ici. Donc ici, nous avons l'inspiration. C'est rigolo, hein? Nous avons encore un signe d'eau, les poissons, et nous avons encore Mercure. C'est très intéressant ce tirage, hein? Nous sommes vraiment dans l'émotion. Je dirais que dans cette relation, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup d'affects, beaucoup de sensibilité. C'est une relation qui est vraiment, vraiment basée, je dirais, sur l'affect. Même si on a du Mercure ici, hein, dans l'histoire, hein, on a quand même, tout se trouve dans les signes d'eau. Vous voyez, on a le poisson, on a le cancer et le cancer. Voilà. Donc c'est intéressant. Alors, voyons voir, je vais tirer d'autres cartes pour compléter. Nous allons faire un peu comme avec le petit Lenormand. C'est-à-dire que une carte donne une tonalité générale, mais elle va être complétée par d'autres cartes qui vont préciser un petit peu la signification de la première lame et voir et donner des informations supplémentaires. On a en tout cas quelque chose que je trouve très beau dans ces cartes retournées. On a quand même cette notion d'amitié qui est importante, en tout cas pour le consultant. Et on a beaucoup d'intuition, d'inspiration. C'est-à-dire que finalement, peut-être que je dirais que le conseil de ce tirage serait de se laisser porter sans trop réfléchir par cette belle amitié, par je dirais cette douceur, cette émotivité, cette sensibilité qu'il y a entre les deux personnes dans la relation et se laisser porter par son intuition et pas ne pas faire des plans sur la comète, ne pas vouloir tout gérer, tout planifier, tout calculer, vous voyez. Je dirais que, vous voyez, Mercure qui est quand même la carte de l'intellect, du rationnel, de tout ce qui est pensée, elle se trouve tous les deux dans un signe en ce qui concerne en tout cas la personne en face et les relations que vous entretenez avec elle. Donc je dirais que peut-être, voilà, c'est le conseil parce que Mercure n'est absolument pas du tout mis en valeur dans le cancer ni dans le signe du poisson. Donc je dirais que peut-être que le conseil, voilà, c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Le conseil du tarot, enfin du tarot de cet oracle, serait de se laisser porter par l'intuition et l'inspiration. Mais nous allons continuer de faire des tirages, de recouvrir ces deux cartes pour voir les informations supplémentaires que nous pourrions avoir. Alors,
Alors, donc en ce qui concerne, le potentiel d'évolution de cette relation sur le plan, je dirais, plus solide, on a quand même de belles cartes. Nous avons l'intuition, nous avons la notoriété, nous avons quand même Jupiter ici. Et Jupiter va être aussi le significateur naturel de la religion, le significateur naturel de tout ce qui va nous parler comment dire, le fait, je pense au pape dans le tarot de Marseille, mais c'est tout ce qui va concerner bien l'esprit religieux, et en même temps Jupiter étant la carte la plus bénéfique, je dirais que c'est vraiment c'est plutôt bien sympathique pour une relation de couple, hein, voyez. Alors si vous avez en effet l'intuition que votre histoire peut évoluer vers quelque chose de plus sérieux, c'est-à-dire une reconnaissance de votre couple officiel et connu par tout le monde, d'où la notoriété, puisque bien sûr on a le soleil, le fait d'être vu, que votre couple soit vu et ne soit plus caché, je dirais que votre couple devienne officiel, ça c'est plutôt sympathique. Ensuite, je dirais que au niveau au niveau de la relation telle qu'elle pourrait être légère, là on a quand même quelque chose de beaucoup moins sympathique, puisque vous voyez, on a encore Mercure aussi, et là on a l'extrémisme, on a il y a quelque chose d'assez violent dans cette partie-là. Ça peut parler aussi d'extrémisme peut-être dans la liberté aussi, dans la liberté que peut donner une relation, je dirais, d'amant-maîtresse, vous voyez? C'est-à-dire si la relation devrait rester dans l'ordre amant-maîtresse, on a quelque chose de beaucoup moins agréable, de beaucoup moins sympathique. Je vais recouvrir quand même. Ouais, la convoitise, c'est ça. Bah, je dirais que la rencontre, hein, avec l'homme ou la femme, hein, donc la rencontre que vous venez de faire, a beaucoup plus de chances, d'évoluer sur un plan construit ici, que sur un plan de relation simplement légèrement maîtresse, parce que ça n'y aura pas de stabilité. Vous voyez, il y a beaucoup de la convoitise, c'est-à-dire que la personne que vous avez en face a forcément quelque chose de très attrayant, hein. Quelque chose qui voilà, qui attire les convoitises, hein. Donc vous allez avoir peut-être même des disputes à cause de ça. C'est quelqu'un qui est courtisé beaucoup, quelqu'un qui a du charme, ou qui a quelque chose dans sa vie qui fait qu'il est courtisé. Alors justement, nous allons regarder la maison 8. La maison 8 va parler des finances, donc de votre futur conjoint. Hop, le choix. Donc nous avons Mars. Alors, hop, Mars qui est en chute, en exil, en balance, dans le signe de la balance. Alors nous allons compléter l'enthousiasme. Hop, voilà. Avec le soleil. Ben écoutez, je dirais que les finances de votre partenaire dépendent un peu, je dirais, de l'enthousiasme qu'il met dans son travail, dans les choix qu'il fait dans sa vie professionnelle, certainement. Alors, il faudrait que je dérive pour ça, mais là, ça serait trop compliqué à vous montrer. Et là, on a quand même une belle réussite.
une belle réussite au niveau des choix qu'il a fait, puisque nous avons le soleil en Sagittaire, hein, nous avons le soleil qui est chaud et sec et qui est dans le signe de Jupiter. Donc là, on a quelqu'un qui a, je dirais, une belle réussite financière. Et si je tire une autre carte dessus, vous voyez, nous avons ici l'ordre. Je dirais que ses finances sont... Il a fait les bons choix. Donc du coup, les finances sont en bon état et en ordre. Voilà. Donc il y a une certaine stabilité par rapport aux finances de votre partenaire. Qu'est-ce que nous pourrions regarder d'autre? Alors, nous allons regarder au niveau de votre stabilité sur la maison. On va prendre la maison, tout simplement la maison 4, puisque la maison 4 va parler de votre foyer. Donc, nous allons voir s'il va y avoir des changements simplement au niveau de votre lieu d'habitation. Alors, la simulation. Okay. Le pouvoir. Simulation et le pouvoir. Alors, quand je vois ces deux cartes, je pense à un essai. Je pense à un essai de modification je dirais de votre habitation. La simulation, c'est-à-dire on va faire comme si on vivait ensemble, vous voyez. Mais en même temps, il y a une notion de pouvoir qui est importante, de savoir chez qui on va habiter, parce qu'il y a quand même bien, vous habitez chez quelqu'un. C'est au départ chez lui. Vous voyez, il y a comme si vous allez faire un essai à un moment de vie commune. Alors, voyons voir ce que j'ai comme information, la protection. Ouais. Je dirais que vous êtes un peu inquiet par rapport à ça. Le fait de voir. Vous êtes inquiet je dirais, de partager votre maison, de perdre quelque part le pouvoir, c'est-à-dire le fait que vous maîtrisiez votre univers dans lequel vous êtes protégé, votre maison, voyez. Ça, c'est quelque chose qui peut-être bloquer l'évolution de votre couple, hein. Chers amis, je vous retrouve. J'ai été trop bavarde, donc j'ai pas pensé à couper et à remettre ma vidéo. Donc du coup, il faut que je recommence. Voilà. Donc je sais plus où j'étais arrêtée. Je m'étais arrêtée. Donc là, du coup, bah, j'ai laissé le tirage ouvert puisque j'ai retourné d'autres cartes. Hein. Donc je vais vous réexpliquer un petit peu ce que à quoi correspondent les cartes que j'ai retirées par rapport aux maisons. Donc si je me souviens bien, apparemment d'après ce que j'ai vu ici, je vous avais retourné les cartes et tiré d'autres cartes concernant donc la partie financière de la personne que vous avez rencontrée. Donc ce que je disais, c'est qu'avec le choix, l'enthousiasme et l'ordre, c'est que ici vous avez une belle réussite financière, hein, c'est-à-dire que la personne que vous venez de rencontrer a fait de bons choix et au niveau des finances, on est dans une belle réussite puisque nous avons quand même le soleil qui est le chaud et sec, hein, et qui se trouve dans le domicile de Jupiter qui est le Sagittaire, qui est un signe de feu. Donc là, Jupiter est quand même significateur naturel des finances, hein. Là, on a vraiment une belle réussite. D'ailleurs, vous voyez, nous avons ici la couronne de laurier. Et donc j'avais tiré ensuite cette carte qui est l'ordre. Donc on a des finances qui sont, je dirais, en bonne place.
Hein, on a quelque chose de stable, donc c'est vraiment vraiment sympa. Et nous avons la Lune en Scorpion, puisque bah, la Lune, le Scorpion est un signe d'eau, donc on a un lien entre la Lune et le Scorpion qui est très intéressant. Donc même si la Lune est mouvante, on a un Scorpion qui est stable ici. Nous avons beaucoup d'ordre dans les finances sont en ordre. Hein, voilà. Alors, donc je crois que j'avais tiré ensuite, voilà, j'avais retourné et tiré d'autres cartes concernant donc la maison 4 qui va parler de votre foyer, c'est-à-dire de votre lieu d'habitation. Donc en fait, la première carte que j'ai retournée était donc la simulation Jupiter. Donc comme je le disais tout à l'heure, Jupiter, là en maison 4, ici la simulation, va vous parler, eh bien vous allez essayer de faire évoluer votre foyer de manière, eh bien, voir est-ce qu'on peut vivre ensemble ou pas. C'est vraiment ça que ça me fait penser. Avec le pouvoir et la protection, je dirais qu'il y a une peur de votre part de perdre, je dirais, votre mainmise ou votre le fait d'être le seul à décider dans votre maison, vous voyez. C'est comme si votre maison, c'est votre cocon. Voilà, vous avez ici la protection. Vous n'avez pas envie de perdre le pouvoir par rapport à cette protection. C'est-à-dire, c'est vous qui gérez votre univers dans lequel peut-être vous vous étiez enfermé, soit parce que ça fait très longtemps que vous êtes célibataire, soit parce que simplement, eh bien, voilà, vous avez des choses. C'est important pour vous d'avoir votre lieu, de vous sentir. Bien sûr, on est protégé dans notre maison, mais là, ça va au-delà. Hein. On a peut-être une surprotection, une peur de perdre voilà, la direction, je dirais, de votre maison, hein, quelque part. Donc du coup j'avais tiré ensuite pour préciser tout ça donc j'avais retourné la carte qui est celle-ci, l'innovation, qui va concerner la maison 2, qui va nous parler de l'ajout d'une personne dans votre cercle intime, puisque bien sûr la maison 1 c'est vous, la maison 2, ça peut aussi nous parler de ça. Donc on a un plus un, donc deux, on a la deuxième personne qui vient vous rejoindre. Donc vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a l'innovation. Donc ce que je disais, c'est qu'en fait, il y a quelque chose de très intéressant. C'est comme si vous alliez, voilà, vous allez innover, vous allez essayer au départ, faire un essai, et puis vous allez être finalement amené à innover, peut-être à bah, un peu créer de nouvelles choses dans votre foyer, dans votre cercle intime avec cette personne, quelque chose bah, à laquelle vous ne vous attendiez pas, quelque chose que vous allez créer avec cette personne. On a vraiment cette notion-là. Et bien sûr, la deuxième carte que j'avais tirée, c'était l'originalité. Donc, c'est très intéressant, on a cette notion de cette création, moi je vois là quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie, qui va vous permettre d'évoluer et de créer une relation de couple hein, vraiment originale, enfin qui vous correspond. Alors je dis ça parce que donc la troisième carte que j'avais tirée est le compagnonnage. Elle nous renvoie directement à l'amitié. Cette notion d'amitié temps, cette notion d'amitié, cette manière dont vous voyez le couple, dont vous espérez voir. Enfin, la manière dont vous espérez imaginer pouvoir vivre une histoire avec quelqu'un, avec cette notion d'amitié, avec le compagnonnage, on l'a. Donc vous voyez, ce tirage est vraiment beau parce que la relation de couple qui est ici, que vous allez peut-être commencer à mettre en place, va peut-être sortir des sentiers battus, mais en tout cas, elle va vous correspondre. Ça va être vraiment ce que vous souhaitez et elle sera à votre image, voilà. Et pour cela, bien, il y aura un moment d'adaptation, etc. Donc, je dirais que l'oracle donne un conseil assez clair pour moi, c'est-à-dire que je ne conseille pas de rester, voilà, si bien sûr
la personne en face le souhaite, hein. Mais je dirais que une relation qui resterait basée ici sur des relations donc liées à la maison 5, c'est-à-dire pas des relations amoureuses, mais je dirais plus d'amant, de maîtresse, c'est-à-dire pas construite ou construite différemment, mais sans engagement quelque part, dans voilà, c'est quelque chose qui ne portera pas ses fruits parce que certes, au début, il y aura de l'aspiration, la nouveauté apportera bien sûr de l'inspiration, mais derrière, vous voyez, nous avons un extrémisme dans cette relation-là et la convoitise, c'est-à-dire que la personne en face de vous va être convoitée et il peut y avoir, moi je vois ici de la jalousie par rapport à cette convoitise. Donc moi, pour moi, l'évolution de la relation de couple sur le plan amant à maîtresse n'amènera rien de bon, je dirais. Voilà. On n'a pas des cartes très sympathiques par rapport à ça. Je dirais que si vous avez peur de vous mettre en couple, parce que moi c'est un peu ce que je vois ici, hein. Vous avez peur de vivre ou de revivre avec quelqu'un dans la même maison, parce que peut-être vous avez eu un passé difficile, des expériences douloureuses que vous ne souhaitez pas réitérer. Donc peut-être après vous avez peur de vous engager dans une autre relation ici. Construite, mais elle n'amènera rien de bon. Vraiment, je dirais que le conseil de l'oracle, c'est de dire n'ayez pas peur, allez-y, foncez, suivez votre intuition tout simplement. Votre couple finira par bien être officiel, mais il y aura un temps d'adaptation nécessaire, de réorganisation, mais ça c'est normal, mais il y aura beaucoup d'innovation, d'originalité et ce couple vous conviendra. Vous trouverez dans ce couple cette relation, je dirais, de compagnon, comme on dit, hein, c'est-à-dire voilà le compagnon pour la vie, ou au moins pour un moment de sa vie, c'est-à-dire la personne avec qui on partage beaucoup de choses sur le plan aussi amical. Ce n'est pas que amoureux. Dans une relation, on peut avoir aussi, en plus de la relation amoureuse, une relation amicale. Voilà. Et c'est vraiment une très belle, je dirais que la personne que vous venez de rencontrer, vous pouvez avoir une belle relation d'amitié et ça sera un bon compagnon dans votre vie pour avancer. Voilà, mais surtout n'ayez pas peur et ne restez pas sur cette relation d'amant-maîtresse. Enfin, en tout cas, c'est pas moi qui vous le dis, c'est ce que dit l'oracle, c'est ce que je vois dans l'oracle, parce que voilà, vous allez être déçus. Voilà. Personne en face, peut-être a peut-être beaucoup de prétendants et ça va pas marcher entre vous comme ça. Voilà, je vois plus d'équilibre au niveau de la relation de couple, bien sûr, si vous arrivez à passer ce cap-là. Et voilà, quoi qu'il en soit, c'est une belle relation avec beaucoup d'amitié qui vous attend avec cette personne. Voilà, chers amis, bien écoutez, je suis ravie de vous avoir fait ce tirage. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, quand ça a coupé, en fait, c'est la première fois que j'utilise ces cartes, hein, que j'utilise ce jeu dans une voyance. Et vraiment, moi, ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis vraiment enchantée par ce jeu. C'est vrai que quelque part, il est un peu proche du Béline, et donc, forcément, bah, vous l'avez bien compris, de l'astrologie. Mais bon, vous voyez, avec simplement les mots-clés, vous avez déjà de quoi faire, plus les illustrations, hein. Les illustrations qui sont assez parlantes. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir, bien sûr, si je peux. Et puis, abonnez-vous aussi, comme ça, vous allez découvrir toutes les nouvelles vidéos que je suis en train de vous concocter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous allez trouver de nombreuses choses en ce qui concerne
concerne bien sûr les techniques de divination. Outre le fait que je présente bien plein de jeux, des tarots, des oracles, je vais présenter pas mal de livres aussi techniques sur des méthodes de divination. Donc des livres que je connais bien, des livres que je suis en train de découvrir concernant les techniques de divination. Je vais vous proposer aussi, comme j'ai commencé à le faire, des techniques de divination concernant aussi le petit Lenormand, le tarot, bien sûr l'astrologie et surtout l'astrologie horaire, hein, puisque c'est celle que je préfère. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi, vous allez retrouver bien sûr d'autres des podcasts de mes vidéos, de mes chroniques sur Radio Arcadie, donc des instants magiques de Coralia. Et donc vous trouverez aussi de nombreuses choses sur l'ésotérisme, les sciences occultes. Et je voulais aussi vous dire autre chose. Ah oui, donc ce genre de petits tirages, je commence à les faire là pour cette saison. Alors ils ne seront pas réguliers. Je le ferai au fur et à mesure que je découvre certains jeux, parce que le but de cette chaîne, bien sûr, n'est pas de faire des guidances comme le font de nombreuses de mes collègues. Il en existe énormément sur YouTube et vraiment des tirages quotidiens et qui sont très bien faits. Ma chaîne n'est pas du tout créée dans ce but-là. Simplement, j'en fais parce que j'aime ça, ça me plaît. Et puis, ça me permet de vous présenter de nouveaux jeux, voir comment ils peuvent répondre à vos attentes ou ne pas répondre du tout, justement. Je trouve que c'est un bon moyen avec les tirages de voir tout ça. Mais je le ferai de temps en temps, de manière pas régulière. Donc quand j'aurai le temps et quand je pourrai le faire avec un jeu, je le ferai. Voilà. Donc si vous avez envie de découvrir tout ça, ça sera des tirages intemporels, hein. Je verrai, je vais me laisser porter par le hasard. Voilà un peu pour les nouveautés de la rentrée. Voilà, chers amis youtubeurs, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures, et puis surtout je vous souhaite plein de belles choses, et mettez bien votre nez dans les oracles, les tarots et toutes les sciences de divination, l'astrologie et bien d'autres choses encore, hein. Tout ce qui vous parle, et c'est vraiment moi c'est mon domaine, mais c'est un domaine dans lequel on se sent si bien, n'est-ce pas? Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye!